3, 2, 1. Tout est fermé à balle vu que la saison n'a pas encore attaqué. Donc on va rester dans le club pour se réchauffer. Mais c'est l'occasion de découvrir le vrai podium. Bon là, on vient d'en baver un petit peu en raquette. Mais depuis que t'es gamin, en fait, t'aimes le sport. T'as essayé pas mal de sports avant de te mettre franchement dans le ski. Pas forcément beaucoup de sports de balle. Un petit peu de rugby, mais c'est vrai que j'ai jamais fait de genre de foot, de tennis. Donc souvent, j'avais un peu de retard par rapport à ça quand je suis arrivé en équipe de France où j'ai pu avoir quelques railleries. Mais j'ai par contre fait beaucoup de sports de pleine nature. Donc j'ai fait beaucoup de VTT, d'escalade, de roller, tout ce qui touche finalement ouais, à l'équilibre et à la glisse d'une certaine manière. Et c'est un des domaines où j'ai le plus de qualité. Ouais. Tu as d'autres activités annexes comme la création de vêtements techniques? J'ai différents projets. J'ai le projet avec Thomas de Skill, qui est une marque de produits techniques de ski, donc plus précisément des protections et des gants. On est couplé à une association qui essaye de faire des bourses pour aider les athlètes qui en ont besoin. Donc là, on est au balbutiement de ce système, mais c'est aussi une grosse partie du projet de reconversion de Thomas Fanara, puisqu'il vient d'arrêter. Ouais. Donc moi, je l'aide dans cette démarche, mais c'est quand même lui qui tient le projet sur ses épaules. Tes engagements environnementaux, la fonte du glacier, l'impact du réchauffement climatique sur ton sport. Ouais. C'est un sujet dont on parle beaucoup. C'est très délicat de parler de ce sujet pour nous. On en est les premiers spectateurs, mais malheureusement, le sport de haut niveau fait qu'on a une vie qui n'est pas forcément la plus écologique possible, parce qu'on doit aller faire des compétitions, parce qu'on doit prendre l'avion. Et si on veut prendre la parole, on peut se faire énormément critiquer. Et moi, je ne suis pas là pour donner des leçons ni faire des reproches. En fait, je suis juste là, comme je dis, en tant que spectateur, pour montrer ce que je vois, en fait. Alors, tu vois quoi, Victor? Les visions que j'ai sont effroyables. On a le glacier de Tine qui est juste ici au-dessus derrière. Quand j'étais petit, j'allais skier là-bas avec mon père, avec mes différents clubs. Et on voit que le glacier recule énormément. En fait, on a des rochers qui apparaissent, des endroits où on prenait les skis, on glissait. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme si c'était un trail en pente dans les rochers. On voit les hivers complètement déréglés. C'est-à-dire que ça nous arrive des fois, jusqu'à Noël, il n'y a aucune neige. Les stations, elles sortent des VTT pour les clients qui sont venus quand même, qui avaient réservé. On voit des mois de mai, des fois, qui ont énormément de précipitations. Donc c'est vraiment, c'est comme s'il n'y avait plus de règles, en fait. Et nous, on demande que le calendrier soit un petit peu mieux arrangé, parce que c'est vrai qu'on fait des choses qui sont aberrantes. Tu veux dire, au niveau des allers-retours dans tous les sens, il n'y a pas de logique dans les déplacements? Non, voilà, ce qui fait tourner la planète, c'est le business, donc c'est les droits télé. Et la Coupe du Monde, elle est basée sur l'argent qu'elle génère et pas forcément sur des raisons écologiques. Donc on espère des changements. Il y a eu quelques améliorations déjà? Non, je pense qu'ils en prennent conscience, mais c'est très lent. C'est des choses qui sont établies depuis des années, donc c'est difficile à faire bouger. Je ne peux pas monter au créneau et faire la guerre à la Fédération nationale par rapport à ça. Donc je pense qu'il faut que ce soit une prise de conscience générale. Et que tout le monde avance, on est tous dans le même bateau et qu'on essaie de faire les choses comme il faut. Merci pour ton temps, Victor. J'espère te voir très rapidement tout en haut du podium. Moi, je t'attends au pied de la piste le 15 décembre. Ouais. Je fais mon boulot et puis après, j'espère, oui. De toute façon, l'objectif de ma vie, c'est d'être le plus possible là, donc je vais tout faire pour. Et c'est tout ce que je te souhaite. Merci, à bientôt. Merci à toi, Victor. Ciao. Ciao.